ou toi seul cœur joyeux, je fais monter de la terre mon cantique vers les cieux. Ou toi seul, oui mon sauveur, ou toi seul, à toi seul dans la détresse, à toi seul donné recours, à toi seul la forteresse, le rocher de mon secours, à toi seul, oui mon sauveur, à toi seul. Cantique numéro 145 de notre église des chants d'espérance et en français, correspondant au numéro 73 sur les ailes de la croix, et un chant de victoire, le 247, également le 356, cantique populaire. Je vis la révélation à se lever pour chanter avec allégresse, mais trois versets de ce cantique. De chacun de nous, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé,
notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit et qui nous unit tous ensemble à travers cette prière que nous disons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne nos péchés comme si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous inquiète point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, pour un grand plaisir à ses commandements. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête.
qui règle ses actions d'après la justice. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu, il a sa humeur en haut. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Ensemble, il donne une maison à celle qui est civile, il en fait une lumière joyeuse pour juger tous ses enfants. Louez l'Éternel. Dimanche. Et c'est la chorale
des jeunes sur la baguette maïsoua à l'âme, qui reçoit les dernières instructions pour exécuter une sélection spéciale. Thank you.
qui dit ton soleil sur la terre, d'éclairer tout homme en tout lieu, et qui donne aux nuits leur mystère. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le pluie et le ciel superbe, il est atteint d'un si beau bleu, qui vertit les dévotes et l'air. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Et lorsque notre ami mortel à la terre aura dit à Dieu, il nous recevra sous son aile. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, tout nous console, qui veille sur nous notre Dieu, c'est et qui nous soutient par sa parole. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Ce cantique est inscrit au numéro 330 de notre évêque des chants des sciences et sciences françaises, correspondant au 470 sur les ailes de la foi et un cantique populaire, le 80. J'invite la congrégation à chanter avec Roman les quatre versets de ce cantique avant la grande prière. Jésus-Christ, par qui et en qui, établit ton alliance avec l'homme,
Il a vécu notre vie, se rendant obéissant jusqu'à la mort sacrificielle de la croix. Il est ressuscité avec puissance. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour toi. Il siège sur le trône à ta droite. Ô Christ, nous t'adorons, mon Dieu, Dieu. Nous glorifions ton nom, Père, dans l'Esprit Saint qui est notre guide, notre consolateur, notre force, et qui peut nous exaucer au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ô Saint-Esprit, nous t'adorons, Dieu, Dieu. Que nos âmes te bénissent en ce jour, ô grand Dieu. Nous voudrions t'adorer et te glorifier, et dire avec les cieux de la terre, grand est le Seigneur, grand est sa puissance, à toi seul revient l'honneur, la louange et la gloire de l'éternité. Nous sommes humblement reconnaissants pour ta bonté et tes innombrables faveurs imméritées. Nous te remercions pour le salut, pour la paix, pour la protection, pour la communion, pour la santé. Nous nous couvrons et présentons à ton autel nos fautes commises par pensée, par action, par commission, tout en te demandant de nous relever dans ta bonté paternelle infinie et de créer en nous un cœur pur, obéissant, soumis, bref, droit, avec renouvellement de l'esprit bien disposé. Nous élevons vers toi, Seigneur, les bergers de cette congrégation avec leur épouse et leur famille, leurs collaborateurs et collaboratrices. Donne-leur, Seigneur, de servir ton peuple dans l'unité et la consécration. Touche-les dans ta grande miséricorde et tes compassions sont bonnes. Que ta force agisse dans leur faiblesse, que ta joie soit leur force. Bénis-les à tous égards. Que leur santé prospère comme l'état de leur âme, multiplie leur ministère, qu'ils continuent à œuvrer pour ta gloire, Seigneur, et que nous disions ensemble que notre œuvre est pour le roi. Tu nous appelles, Seigneur, à de nouveaux combats, dans nos uns et aux autres, de vrai uniquement pour l'exaltation de ta gloire et l'édification de ton peuple. Bénis et aide les leaders, les prédicateurs, les stations, les moniteurs, les maestros, les chorales, ô notre Dieu. Bénis les uns et les autres, bénis le corps des officiers et l'association d'État. Soutiens chacun des membres en santé morale, physique, économique et spirituelle, ô notre Dieu. En ce jour, dans ce service consacré à la présentation des délais, nous te demandons de bénir les familles et les foyers de l'Église. Permets aux conjoints d'être compréhensifs mutuellement et gentils réciproquement, et aussi qu'ils soient des parents responsables et des conjoints fidèles. Bénis tous les bébés et les enfants. Rends-nous, Seigneur, le pain de vie de ta parole par le truchement de ton serviteur, le pasteur Pater Gilles, que tu choisis ce matin. Et permet que par l'Esprit Saint, nous gardions le bon dépôt pour les fructifications éternelles. Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable d'être réunis dans la famille de Dieu. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour la réalité de l'Église qui est ton corps, et nous te bénissons pour le mystérieux appel qui nous en a fait membre. Toi qui as promis de l'assister toujours, réveille-la, ramène-la sans cesse à sa vocation. Préserve-la de tout compromis, garde-la, Seigneur, de tout réniment. Toi, le souverain pasteur, veille sur notre communauté vieille de 177 ans, afin qu'elle soit toujours un lieu de grâce et de pureté. Une oasise réconfortante au milieu d'un monde troublé et agité. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Église et te prions de rendre son témoignage puissant. Rends-la humble et disponible, fidèle dans l'obéissance, inébranlable dans la foi. Seigneur, fais porter le fruit de l'Esprit. Remplis ardent notre désir de te servir, notre intérêt pour ta parole,
notre joie de communier en toi. Donne à notre Église d'être de plus en plus une communauté vivante et fraternelle pour tous ses sages membres les uns les autres, de telle sorte que les nouveaux bénis s'y voient accueillis comme des frères, que les faibles soient soutenus et que tous ensemble nous nous réjouissons dans une commune assurance de ton pardon et dans l'attente de ton règne. Seigneur notre Dieu, accompagne ceux qui s'éveillent à la foi, que ton esprit les dirige et éclaire leur chemin afin qu'ils parviennent à une profonde communion avec toi. Veille sur eux et veille sur ceux qui vivent depuis longtemps dans la foi. Renouvelle le regard qu'ils portent sur toi afin qu'ils retrouvent leur premier amour et te servent avec celle d'un cœur pur et dans l'obéissance de la foi. Nous te demandons, Seigneur, aussi, de montrer à chacun la tâche qui lui revient à ton service, que ton esprit dirige toutes choses. Nous te confions les jeunes, pour qu'à la lumière de ta parole, ils découvrent un sens à leur vie. Aide-les, Seigneur, à se forger des convictions personnelles qui leur permettent de tenir ferme dans la foi et de te rester fidèles. Nous te présentons, Seigneur, tous ceux qui, à travers le monde, ont à souffrir pour ton nom. Apprends-nous, Seigneur, à nous unir à eux dans leurs épreuves, comme les membres du corps sont unis entre eux. Soutiens par ton esprit, Seigneur, bien-aimés, donne-leur de s'appuyer sur tes promesses, renouvelle leur force, amène-les de ta patience, abrège l'épreuve de leur foi. Nous te prions pour l'Église universelle avec les missions, les sociétés publiques, les dénominations, les synodes, les fédérations, les conventions, les unions et les alliances. Et en particulier, nous te répétons, Seigneur, l'Alliance Baptiste mondiale et la Convention Baptiste d'Haïti. Ils doivent organiser conjointement une conférence sur l'évangélisation et tu prennes toutes choses en main. Donne à l'Église universelle un témoignage puissant en ce monde postmoderne. Ainsi, ton Église, partout sur la terre, fasse reculer la puissance des ténèbres et resplendir la lumière de ton évangile. Seigneur, tu es le maître des peuples. La destinée de toutes les nations t'appartient. Nous te revêtons aussi, Seigneur, ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils ne cèdent pas à la tentation de les dominer, mais apprennent à les servir pour le bien de tous et de chacun. Nous te prions pour les pays bouleversés et déchirés par des conflits, afin que ces conflits aboutissent à plus de paix et de justice. Inspire à tous les peuples et à leurs dirigeants le désir de vivre en paix. Nous implorons ta paix, Seigneur, sur la Syrie ravagée par la guerre civile, le Mali en pleine guerre et l'Afghanistan en une guerre, Seigneur, qui dure. Nous te confions notre pays, ses autorités, ses parlementaires, ses policiers, ses politiciens et ses magistrats, afin que nous menions tous une vie paisible et tranquille dans la dignité et l'honnêteté. Nous te confions, Seigneur, pour les captifs du diable, pour leur salut et leur délivrance. Seigneur, rends-nous parmi nos frères et sœurs humbles et disponibles, fidèles dans le service, inébranlables dans la foi. Fais-nous porter le fruit de l'esprit, la joie, la paix, l'amour, la patience, et que par ta sainteté et la sainteté du Saint-Esprit, ton peuple, nous, tes fidèles, nous manifestons, Seigneur, au monde la présence de l'Évangile. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Dieu. Lui règne souverainement avec toi dans l'unité de cet esprit, à présent et pour toujours. Amen.
Et vous devez prendre la chorale des jeunes. Encore une fois, sur la baguette du maïs. Thank you.
Merci Maïsou Adouane, merci la chorale des jeunes. Et ce cantique, le dernier, ça convient à l'heure du 177e anniversaire de la première église baptiste de Corvin. C'est un cantique qui rappelle notre mission, mission d'évangélisation, mission de persévérance, mission d'édification. Donc, encore une fois, merci et que Dieu continue à répandre sa grâce sur le maïsou de la chorale et sur chaque membre de la chorale pour que nous ayons l'occasion non seulement de chanter sur cette terre, mais aussi de chanter dans la maison du Père. Alors que nous continuons à lancer l'appel, nous sommes au début de l'année, pour que plus d'un s'engage dans la chorale, rejoigne. Plus de rejoindre les rangs de la chorale ou chanter pour la gloire de Dieu. Mes frères et mes soeurs en Christ, c'est le moment de saluer nos frères et nos soeurs, nos amis qui sont avec nous. Et dans ce culte, je vous invite, si vous nous visitez pour la première fois, là où vous vous trouvez dans le sanctuaire, de vous lever et l'Assemblée pourra vous accueillir à sa manière. Vous qui nous visitez, voilà, nous en avons plusieurs. Vous qui nous visitez pour la première fois, je vous demande de vous lever. Merci si vous êtes, si vous acceptez déjà le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Eh bien, nous vous demandons de continuer à le servir comme vient de dire le chant de la Torah. Et si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, avant de quitter le sanctuaire. Prenez donc la décision et éternellement bénie de marcher avec le Christ sur cette terre pour régner avec lui dans la gloire. Et aujourd'hui, et à la première église baptiste de Corvin, nous saluons nos visiteurs par une version spéciale. Et aujourd'hui, le troisième dimanche est non seulement consacré à nos visiteurs, mais aussi à tous les fêtants du mois, tous ceux qui célèbrent un anniversaire quelconque en ce mois, de délivrance, de conversion, de mariage, de voyage, de j'en passe. Et je vous demande de vous lever et vous rejoindre les visiteurs et nous demandons à nos deux frères, Christian Morin et Nathan Desilus, de notre congrégation de Bethel et à Cabaret, du côté de Casal, de venir jouer pour vous la version instrumentale programmée. Et on joue ça pour tous les présents. Nous demandons, venez donc, nous demandons à ces frères de venir jouer pour nous. Nous demandons à tous les fêtants et à tous nos visiteurs de bien vouloir rester debout et pour écouter cette version exécutée pour nous, nos deux frères de notre congrégation de Bethel à Cabaret tout près de Casal. Il joue l'homme jusqu'au thank you.
votre photo de baptême, par exemple, il part à plus de 50 ans, à plus de 60 ans. Venez donc au Torah au cours de cette semaine et projeter ces photos, ces activités, démontrant que nous voulons rendre l'histoire de l'Église vivante et cette activité rentre dans les activités marquant les 180 ans de l'Église en 2016, car en 2016, ce sera le bicentenaire du protestantisme haïtien. Et en ce temps-là, l'Église aura 180 ans. Donc, nous voulons débuter avec cette activité, d'autant plus aussi que cette activité pour cette année ramène non seulement les 177 ans, mais aussi le premier anniversaire du nouveau leadership de l'Église, le premier anniversaire de l'ordination et l'installation des nouveaux ouvriers de l'Église. Donc, nous vous invitons tous, mes frères et mes sœurs du Christ, à venir. Et nous allons avoir un choral qui chante pour nous. Nous allons prier, mais nous allons aussi écouter avec intérêt le récit de la première église baptiste de Port-au-Prince présentée par le révérend docteur Charles Coisset Romain. Je vous dis bonne fête. Nous aurons quand même des fonds pour recueillir nos offrandes, car nous avons besoin d'offrandes spéciales pour commémorer cette activité, pour travailler en ce sens. Donc, je réclame la collaboration des uns et des autres pour la réussite de cette activité. Nous rappelons à tous les jeunes du club des 18 ans de l'année dernière que la IBJC les attend après le culte. Et après le culte également, les parents de l'Église ayant des enfants nés en 1995 sont priés de rencontrer et Pasteur Josué, Pasteur Mohamed après le service. Et je vous rappelle que nous sommes au deuxième culte du jour et ce soir, nous aurons une grande célébration. Je crois que, et comme je suis en train de faire cette annonce, je dis que cette activité débute et les festivités du 177e. Ce soir, la IBJC aura un culte sans appel pour célébrer, pour débuter cette activité. Nous aurons plusieurs chorales à chanter ce soir. Donc, je vous invite, parents, à laisser venir les jeunes pour adorer le Seigneur, pour élever leur âme au Seigneur, à la gloire de Dieu. Et mardi prochain et jeudi prochain, vous entendez déjà, et dimanche prochain à 5h45, le premier culte d'Action des Grâces, célébrant les 177 ans de l'Église, et également à 2h, alors que l'école du dimanche aura une séance à 7h45. Nous vous rappelons que dimanche prochain, l'Église baptiste de Sakipo célébrera sa fête de moisson. Donc, l'invitation est lancée à chacun et chacune de vous. Je rappelle aussi que l'Église baptiste de la Scaobas, dirigée dans le temps par le feu pasteur Solon Capo, célèbre aussi sa fête de moisson et ce jour-ci. Donc nous avons envoyé les salutations de la première église baptiste de Port-au-Prince à cette église sœur. Nous vous rappelons aussi de prier pour une grande conférence sur l'évangélisation et la reconstruction du pays qui se tiendra au campus du séminaire de théologie évangélique baptiste d'Haïti au Lévé, à l'Université chrétienne du Nord d'Haïti. Et cette conférence est organisée conjointement entre la Convention baptiste d'Haïti et l'Alliance baptiste mondiale. Je vous demande de prier le secrétaire général
de l'Alliance Baptiste Mondiale, qui est un personnage très important dans le monde, qui bien foulera le sol d'Haïti la semaine prochaine, ou du moins c'est la fin de ce mois. Le pasteur des villes Calabre. Je vous invite à prier pour cette conférence. Et on a jeté le dévolu sur votre serviteur pour proclamer l'évangile en ce jour pour débuter cette conférence mondiale. Je vous demande de prier pour que le Seigneur, par son Saint-Esprit, vienne, il parle au cœur des uns et des autres pour l'édification de sa gloire, pour l'engagement à la grande commission, à la commission suprême, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y aura une délégation de la première église baptiste de Port-au-Prince qui participera à cette activité qui commence le 30 janvier et qui se termine le 1er février dans la soirée. Je vous demande de prier pour les uns et les autres pour la réussite de cette activité. Je crois, mes frères et mes sœurs en Christ, et je vous rappelle que l'Association des Dames, la première église baptiste de Port-au-Prince, fait ses compliments aux membres actifs et fort à leur connaissance que les activités de l'association recommanderont le mardi 22 janvier à partir de 2h de l'après-midi. C'est une occasion pour inviter les dames de l'Église à se joindre à elles pour travailler ensemble dans l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est l'association des dames d'Octa, je rappelle. Et merci beaucoup. Je vous donne cette annonce de l'Église. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort de Madame Beausandière, née Marie Zilan Joseph, survenue à Port-au-Prince le vendredi 11 janvier 2013 à l'âge de 93 ans. Les funérailles de la regrettée Madame Beausandière et Zilana Joseph pour lire la première église baptiste de Port-au-Prince le mercredi 23 janvier 2013 à l'âge à 7h du matin et le cadavre sera exposé dès 6h. La défunte était membre de l'église des Pères Sévères à l'église baptiste de Bois-Piquant. Ce sont là mes frères et mes soeurs en Christ, l'annonce provisoire de l'église, l'annonce définitive, c'est que Jésus-Christ reviendra. Et comme tel, nous devons dire ensemble, nous devons vivre sur la volonté de Dieu pour dire « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Avant d'écouter la prédication du jour, qui sera présentée par le révérend pasteur Paul Vergile, j'invite la congrégation à chanter « Livre saint, céleste livre ». Mon plus précieux trésor, bien-sûr que j'aime à suivre, du beau, plus que beaucoup d'or. Cette fois, Bible bien-aimée, qui me montre le sauveur, tu peux dans l'âme affamée, procurer le vrai bonheur. Ô puissant des sept épées, marteau brisant les rochers. Par toi, mon âme, frappée à pleurer sur ses péchés, oui, dans toutes mes détresses, dans mes larmes, dans ma douleur, par tes divines promesses, tu viens consoler mon cœur. Quantité furieux au 114 de notre épée des champs d'espérance ici en France, correspondant au 298 sur les ailes de la croix. Avec entrain, je vous invite à vous lever pour chanter les deux versets de ce cantique à la gloire de Dieu. Thank you.
Que ce soit une réalité dans notre vie, les paroles de ces cantiques. Nous cédons le micro avec le pasteur Paul Bergil. Voilà pourquoi nous disons ensemble. J'invite toute la congrégation à répéter. Nous disons ensemble et tu dis. Nous reprenons ceux-là qui sont arrivés en retard, les quatre versets du Lévite aux Éphésiens, nous disons ceci, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les saints. Je bénis cette portion d'écriture pour notre parvenant l'éducation. Alors, ce dimanche, une famille, il m'a été vendu, et vous présenter une réflexion sur la famille. Les sociétés s'enrichissent toujours de l'unité de base, la communauté appelée la famille. Et ce que nous constatons, le tissu familial se détériore de plus en plus. Même l'Église n'est pas épanouie. Là où nous répétons les valeurs familiales, là où nous les considérons comme fondement même de notre relation avec Dieu. C'est notre milieu. On peut donner n'importe quelle caractéristique à ce milieu-là, mais c'est notre milieu intime. Et nous voyons les relations prendre des encours désagréables. Nous nous proposons ce matin d'envisager la relation enfant-parent, parent-enfant. Puisse le Seigneur servir de notre réflexion, de notre méditation pour vous porter à prendre des résolutions, plus d'engagement pour le relèvement de nos familles, en général et particulièrement nos familles chrétiennes. Les relations enfant-parent, parent-enfant, une relation difficile. Difficile par le temps, difficile par l'évolution, difficile par la déchéance des valeurs morales que nous retrouvons à la base même de la communauté. La communauté familiale. Les relations entre les générations sont un mélange d'affection et de tendresse. Mais cette relation d'affection et de tendresse est bouleversée. Mais ce que nous savons et ce que nous retenons, c'est que d'un côté, la famille reste une valeur sûre pour
tout le monde, en particulier aux non-haïtiens, quel que soit l'âge. Elle est le lieu où s'effectue la transmission de la vie. Elle est celui de l'amour et de la tendresse au sein du couple, comme entre les parents et les enfants et les parents. De l'autre côté, privés de l'autorité parentale, les enfants font la loi, maltraitent leurs parents, maltraitent leurs frères et sœurs, se livrent à la déchéance, se livrent à la délinquance. La violence règne partout. Et tous les recoins, du matin au soir, ce qui s'observe dans la rue, s'observe également au sein de la famille. L'Église devait être une société alternative, mettant en valeur les principes divins. L'Église n'est pas épanouie. Si nous considérons les théories, nous dirons que ces dernières affaires sont contradictoires. Parce que ce que nous observons n'est pas le fondement réel de ce qui devrait être des tissus familiaux. Skinner et les autres biologistes qui voient le rôle des parents comme celui des programmateurs, Freud, il décrit la relation parent-enfant en des termes de conflit, non seulement en des termes de conflit sexuel, mais des menaces d'attraction et de détachement. Mais à côté de Skinner et de Freud, l'apôtre Paul s'est riche en maître. Conduit par Dieu, il nous donne les points de vue du Seigneur. Voilà pourquoi il nous livre cette injonction. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. L'obéissance est conditionnée par le Seigneur. L'obéissance à nos parents constitue la clé de la réussite, de l'épanouissement. Et quand nous, enfants, nous n'obéissons pas à nos parents, nous devenons des enfants rebelles. Rebelles dans le cercle intime des parents. Mais ça ne va pas rester simplement comme rébellion, mais ça va dépasser les limites de la famille. À l'école, à l'université, au travail. Ça va nous suivre toute la vie pour atteindre la frontière de la société. Quand nous sommes des enfants rebelles, nous sommes des enfants manqués. Et la famille qui expérimente des enfants mouvement au cœur, des enfants rebelles, cette famille-là est une famille manquée et on a toujours tendance à l'éviter, éviter de fréquenter ses membres, éviter de la suivre, parce qu'ils ne font pas, ils ne constituent pas la référence. Enfants, obéissez à vos parents. Mais il y a une chose en constat. Si vous êtes des parents désobéissants,
Vous n'avez pas l'habitude de respecter vos parents, bien sûr, là, vous aussi. Vous ne pouvez pas espérer que vos enfants vont être des enfants obéissants. Vous pouvez les contraindre par la force. Et là, ils auront une certaine peur de vous en tant que parents. Mais ce ne sera pas la nature, ce ne sera pas naturel. Parce que ça n'en a pas produit besoin. Si nous considérons ce qui se passe autour de nous, la situation est vraiment grave. L'apôtre Paul demande aux enfants non seulement d'obéir à leurs parents, mais également d'honorer leurs parents. Honore ton père et ta mère. En ayant soin de rappeler, c'est le premier commandement. En ayant soin de rappeler, là-bas, il y a une promesse qui s'ensuit. Et la finalité de l'injonction du pauvre, c'est que tu sois heureux et que tu vives longtemps. C'est que la vie ne soit pas brève. C'est que ici, l'obéissance apporte le bonheur, mais contribue au bonheur de l'enfant, de chacun de nous, puisque chacun de nous a été ou est encore un enfant. Même quand il y a des tâches, cela veut dire qu'on devient autonome en fondant son propre foyer. Il arrive des fois que nous demandons à nos enfants d'atteindre des sommets que nous autres nous sommes incapables d'atteindre. Nous leur donnons des cibles que nous autres ne sommes pas capables d'atteindre. C'est bon. Évidemment, nous disons que cette génération est une génération rebelle, perverse, déchéante. Parce que c'est du constat de Dieu. Et si on le voit, comment à travers les trois premiers versets, l'apôtre Paul décrit un enfant qui aime Dieu, un enfant qui vit selon Dieu, un enfant qui est élevé dans une matrice familiale équilibrée. D'abord, cet enfant obéit. Cela veut dire qu'il se conforme aux prescriptions des parents. Il se conforme au suivi, à l'évaluation, au redressement parental. Et je me rappelle, la salle du Nord, on disait toujours, tu vis avec cet enfant-là. Où le passez? Où le faisant? Que savez-vous de ses parents? Les parents restent la référence. Vous approchez d'une jeune dame, on vous demande, connaissez-vous ses parents? Car celui qui a l'habitude de battre sa femme, l'enfant qui voit son père battre sa femme, va pouvoir répéter cet événement. L'arrière-parent qui savait voler. Et vous fréquentez un jeune homme, vous ne savez pas. Parce que dans le temps, on faisait la recherche, mais c'est aussi, on a tous la recherche. Je vous aime, je vous aime. Aussi digital que cela puisse paraître. Pas de recherche.
C'est pas nécessaire. C'est de l'âme très bien. C'est une jeune fille très bien. C'est pas de problème. Et puis nous, s'il y a un problème, bien, on comprend. Dans cette relation, dans cette façon de voir, dans cette façon d'agir, il est tout à fait naturel que nos familles expérimentent cet âme. Parce que, après quoi les autres, il y a un changement. Oh, je remarque que ma femme a changé, que mon mari a changé. Non! Il n'y a pas de changement véritable. C'est qu'en l'approchant, vous êtes mal connu. Chacun de nous est une réalité. Et cette réalité va être saisie au sein de la famille. Nous n'estimons pas que, nous ne sous-estimons pas qu'il y a acquisition. Par acquisition, on peut accumuler des valeurs. Étant sous l'égide du dehors, rentrer à l'église, eh bien, on peut être appréhendé. Des changements des valeurs, des changements de valeurs, des changements de base, des changements de comportement, des changements d'orientation peuvent arriver. Et voilà pourquoi que l'Église est conviée à brandir toujours la parole comme feu de l'avant pour permettre à nos jeunes, pour permettre aux enfants de se rappeler sur l'autorité parentale. Car cette société qui vous donne des largesses infinies, des désordres et des déchéances, et cette même société, il va vous taxer d'enfants rebelles, d'enfants de sans parents, entre guillemets. Regardez comment on a dit, il paraît pas. C'est cette connotation, cette marginalisation qui va être effective lorsque des gestes, des actions, des faits contraires à la norme sont observés. Jeunes de mon église, jeunes hommes, jeunes femmes, vous êtes l'église de demain, vous constituez cette société alternative, je vous conjure. Je vous convie à vous rallier à la lecture de la parole de Dieu, au respect des normes familiales, à les mettre en pratique et à les reproduire. Parce qu'il y a des cas, en tant que dictateur d'une série de cas, le regard de la cité, c'est bien, par exemple, d'organiser des voyages, des cérémonies, avec toute la force de notre science, avec tout l'esprit de notre volonté. Mais quelques semaines plus tard, à entendre des récits, nous sommes donc en droit de vous dire de vous surveiller vous-même. De vous questionner. De rechercher à condamner pour savoir les contours de vos amis. Avant que soit l'ange conducteur, avant que soit le maître charmant. Essayez bien de le saisir dans sa réalité familiale. Alors, nous serons exempts de nombre de malheurs, de nombre d'efforts pour rafistoler la toile déchirée dans toutes ses portions. Si vous avez dit, vous allez produire des œuvres dignes. Vous allez assumer votre responsabilité en tant que futur mari, future épouse. Et vous avez déjà fait l'expérience, il est encore temps de vous ressaisir de telle manière que la promesse
ni une vie longue, ni une vie heureuse vous soit conservée. Le mot enfant, utilisé ici, c'est le mot kouios, qui décrit le rang, la dignité, le descendant. Et voilà pourquoi on parle toujours de référence familiale, de référence parentale. De quel milieu es-tu issu? Chaque descendant de ses parents est lié aux autres parents par une relation d'obéissance, par une relation de performance, par une relation, bref, de suivi. Et ce principe de suivi d'évaluation nous retrouvons à tous les niveaux. Et la vie n'est pas muette. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Nous livre l'auteur du livre des Proverbes, au chapitre 1er, verset 8. Mon fils, garde la préceinte de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Proverbe 6, le verset 1. Le verbe est dans l'impératif enfant obéissez. Cela veut dire qu'on n'a pas le droit de déroger. On n'a pas le droit de passer à côté. Il faut rester à la base. Il faut écouter. Je veux vous faire savoir, sur la terre, il y a deux personnes qui vous aiment. C'est votre père et votre mère. Tous les autres viennent par enseignement. Au moins, c'est parce que vous démontrez. Si c'est le matérialisme, bien, on vous apporte pour votre matérialisme, pour votre capacité, votre potentialité de donner et de pouvoir aux besoins. Mais si vous êtes un bon produit, et quand j'ai dit bon produit, entre guillemets, vous avez dit bon bagage, bon petit bagage. L'église a dit bon petit bagage. Mais des fois, on parle pas ouais, parce que mon bon ouais, et puis vous, la place dans l'air, il parle ouais. Et puis vous, même vous parlez ouais, mais c'est le monde dans l'air, ouais, vous parlez ça comme vous. Il est déjà très haut. Je me rappelle qu'il y a un frère, lauréat à la faculté du droit, qui a approché une sœur. Et cette sœur lui dit, écoute mon frère, entre moi et toi, il n'y a que Jésus-Christ. Je te permets pas de vous parler de cette façon-là. Au rêve, hein? Et je ne sais pas, le sort a décidé. Cette sœur a perdu la pédale. Cette sœur est passée à côté. Et notre frère, aussi humble qu'il puisse être, a pu faire son chemin. Et maintenant, c'est comme le jeu de la nuit. Qui sait si cette dame avait accepté ce frère? Et elle n'aura pas une famille équilibrée. Elle apprend de mieux en mieux, et déception en déception. Et jusque-là, je le sais. Je le sais. Mais ce que nous avons pour l'autre, dans sa simplicité, il a pu retrouver l'âme sœur
et fondé un foyer. Il résiste jusqu'à présent aux intempéries du temps. Frères et sœurs, nous voyons avec nos yeux. C'est toujours nos yeux charnels. Mais quand nos yeux spirituels sont ouverts, alors Dieu nous accorde sa sagesse et nous porte vers l'âme sœur. Et à ce moment, notre vie, aussi humble soit-elle, nous menons une vie équilibrée. Évidemment, on demande aux enfants d'obéir à leurs parents dans la bonne direction. Un parent, il vous dit, demande de mentir ou d'agir contrairement à ce que vous pensez, à ce que vous êtes capable. Oui, vous êtes capable de faire la leçon à ce parent-là. J'ai eu, par exemple, à le faire moi-même. Et mon expérience a été de plus heureuse. Pourquoi ça? Parce que mon père qui voulait, par exemple, à tout prix, que je sois l'ami d'une sœur, je lui ai dit non. J'ai observé les membres de la famille de cette dame, jamais elle sera mon amie. Mais écoute, je dis, mais ce sera une bonne âme. Je dis, mais papa, je sais t'entendre. Je sais t'entendre. Ou clamer, ou bien dire, voix haute, les bontés de ma mère. Comment se fait-il que tu veux que moi-même, j'approche une moitié? Moi, je veux une personne entière. Et jusqu'à présent, je vous le dis, mon frère et mes sœurs, le Seigneur avait entendu ma prière. Jusqu'à présent, ma famille tient. Et des fois, je sais que vous avez dit, vous cherchez d'évaluer pour voir la distance parcourue. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'un bon jour, mon père lui dit, mon fils, tu avais raison. À partir de ce qu'il a constaté lui-même dans sa région, tu avais raison. Voilà un cas où nous pouvons, par exemple, ne pas nous conformer aux prescrits de nos parents. Mais si c'est dans l'application des valeurs sûres, si c'est dans le plan, sur le plan d'études, on vous encourage à étudier, on vous encourage à vous engager dans une profession, vous ne pouvez pas vous engager dans les liens sacrés du mariage sans que vous ne travaillez pas ou sans que vous n'ayez pas de fondement. Mais sinon, vous n'avez pas de fondement. Comment vous allez pouvoir transmettre les valeurs familiales à vos enfants? Quel est le père qui a raison? Je vous le dis, c'est très sévère. C'est pas facile à dire, mais je vous le dis. Quand vous entendez les enfants dire papi, mamie, vous savez que c'est pour bien. Les papis chéris, les mamies chéris, les mon amour, quand vous entendez ça à la maison, vous pensez que c'est pour rien? On vous donne pas gratis. Pas de gratis, chérie, dans la relation mari-madame, dans la relation papa-mère. La relation ça va venir en fonction de ce que vous parlez. En réalité, en fonction de ça, vous voyez qui sont beaux, qui sont beaux. Même les amis, vous pouvez observer cela qui est aussi souhaité la fête de votre travail. Vous perdez votre travail, vous ne travaillez pas. Et puis vous vous avez que vos proches, on vous avale. Mes amis, il est temps de nous ramener à la normale, de mettre en pratique
ce que la Bible commande. Enfants, obéissez à vos parents et cela vous rendra la vie facile, heureuse et vous vivrez longtemps. Au Père, il est fait injonction de ne pas aigrir les enfants. Le mot utilisé pour les parents, c'est l'aigrissement. C'est le découragement. Comment les parents peuvent-ils décourager leurs enfants? Rendre leur cœur amer. Rendre la vie même impossible aux enfants. Tout parent qui ne respecte pas les limites de la parole de Dieu, eh bien, vont emmener leurs enfants à avoir un certain vécu. Il est vrai que les jeunes aujourd'hui n'acceptent pas et vous disent que c'est leur vie, oui, il ne faut pas vous mêler. Il est vrai que certains enfants, en travaillant, eh bien, ils deviennent autonomes et ils assurent la gestion de la maison. Mais tout parent est responsable. Tout parent qui se respecte, même lorsque l'enfant apporte quelque chose à la maison, en retour de votre investissement, en retour de votre chagrin, en retour de vos efforts, bien sûr, il vous faut assumer la sanction. Vous devez sanctionner vos enfants et ne pas leur laisser la gestion parce que c'est eux qui travaillent, ils viennent à la maison avec la facile, ils viennent avec de l'argent, et bien sûr, ils sont les mêmes. Agissez en tant que responsable. Amen, amen. C'est vrai ou pas gagner là. C'est vrai ou pas gagner tout là. Mais tout ce que tout qui est passé dans l'éducation. Même si vous voyez tout là, il est la vie dans la salle pour le venir conformément parce que l'autorité est à la salle. Amen. Et dans le feuilleton qu'on passe à la radio, à la radio par exemple, le monsieur de Tolé, il a dit que la femme doit être solidaire. Car bien des fois, maman est solidaire avec papa pour permettre que petit là, pour le jeune, la geste de la là. Papa est solidaire avec maman pour qu'elle va venir la geste de la là, pour exploiter le petit là. Non! Parents et maman ne font plus la même direction. Amen. Même si nous pauvres, par le fabriquant de l'église. Amen. Et quand vous n'êtes pas capable de dire non, papa et maman, vous n'êtes pas capable de dire non, vous n'avez pas le courage de freiner telle ou telle situation, à ce moment-là, cette situation va vous donner. Mon frère, ou ma soeur, c'est peut-être dur, à la parole est toujours dure. C'est peut-être rigide, à la parole de Dieu est toujours rigide. Vous ne pouvez pas vous en faire. Aller de côté, c'est passer à côté. Mais vous devez affronter la réalité. L'obéissance des enfants, au Dieu honneur. La gestion également équitable des enfants nous conduit également au bonheur. Et c'est ce qui apporte la satisfaction, c'est ce qui apporte la réussite au bon nombre de femmes. Nous vous en convions à suivre cette consigne, à nous ressaisir de telle façon ou de telle manière que nous n'aurons pas à pleurer ou à lamenter pour l'avenir. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Que par le Saint-Esprit, nous gardions les bons défauts de la parole entendue, mes frères et mes sœurs. Nous allons chanter alors que nos frères et sœurs, les membres de l'accueil, de la Église, accueillent. Pour recueillir l'offrande, les dons, les dîmes de l'Assemblée.
Je vous invite à vous engager dans ce cantique sur la famille. On est bien à la maison, en réelle famille. Ce cantique ne se trouve pas dans notre champ d'espérance, mais on a des copies pour donner à ceux qui n'ont pas l'occasion de voir la projection. Et je vous invite, mes frères, à méditer sur les paroles entendues, mais également à méditer sur les paroles de ce chant. On est bien à la maison quand veille la nuit. La joie est dans chaque son quand veille la nuit. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand veille la nuit. Jésus tout entier, prends-moi pour que chaque jour notre foyer soit pour par toi, guidé de l'amour. Tu me mèneras à l'abri de ton mal, de tout souci. Par toi, je serai béni. Jésus, roi des rois. Et en cette instant même, je vous invite, mes frères et mes soeurs, Christ, à faire de ce cantique votre prière pour les foyers et la famille de l'Église. Thank you.
De sa Sainte Église. Puisse le Seigneur accepter votre désir et consacrer vos feux pour ses enfants. Veuillez recevoir les sincères félicitations de la première Église baptiste de Port-au-Prince à votre endroit.
Écoutez maintenant ce que dit brièvement la parole de Dieu dans de telles circonstances. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Un jour, on amena des petits-enfants à Jésus, afin qu'il leur imposa les mains et qu'il pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas de venir, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Chers parents, l'occasion qui nous rassemble ce matin est une joyeuse occasion. Comme Anne et Marie, vous avez entendu la voix du Seigneur disant « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez point, car le royaume des cieux est pour eux et pour ceux qui leur ressemblent. » Et vous l'avez obéi. Vous êtes venu à une période où vos cœurs sont encore tout gonflés de la joie que procure leur naissance. Dieu a un but pour chacun de ses enfants. Comprendre cela pour obéir les conduira au bonheur. Le désobéir les conduira à la ruine, à quelque niveau qu'ils puissent être élevés dans la société. C'est votre devoir et le nôtre de les accompagner et de faire ce travail pour Dieu et pour la société. Chers parents, vous venez prendre l'engagement solennel devant Dieu et devant cette assemblée que vous allez élever ces enfants selon la volonté de Dieu, dans la crainte de son nom et dans la connaissance de sa parole. Car en effet, il est écrit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Je vous invite à répondre à ces questions. Aux yeux de Dieu et en présence de son Église, assumez-vous cette responsabilité solennelle dans la crainte et le respect du Seigneur. Promettez-vous d'essayer de les amener dès leur jeune âge à accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Promettez-vous, dans la mesure du possible, de les offrir l'exemple d'une vie pieuse et conforme à la volonté de Dieu. Et puisque vous avez pris l'engagement devant Dieu et devant cette assemblée de vous consacrer à la sainte et noble tâche d'élever vos enfants, couvrons-nous et prions le Seigneur. Nous exprimons notre gratitude au Père, pour tout est don. Seigneur éternel, sans ton aide, nous ne pouvons rien. Nous te remercions de façon spéciale pour ces enfants. Ils attendent tout de nous et nous connaissons nos limitations. Accorde-leur des bénédictions les plus riches et sans nombre. Et permets qu'ils croissent devant toi et devant les hommes en sagesse, en stature et en grâce. Sois avec leurs parents, aide-les à avoir une vie en ce sens consacré à toi et à Jésus-Christ, pour que ces enfants puissent apprendre dès leur plus tendre âge à te connaître et à connaître ton Fils Jésus-Christ et l'aimer. Maintenant,
que ta paix repose sur nous tous et aide-nous, parents, église et société, à contribuer à l'édification d'un monde de paix pour tous les enfants du monde entier et en particulier ces enfants pourront vivre en santé et heureux et où le doux nom du Christ sera glorifié. Fais-le pour nous, ô notre Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, à présent et pour jamais. Amen. Te bénisse et regarde, que le Seigneur fasse vivre sa paix sur toi. Il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses en stature et en grâce par devant lui et par devant les hommes. Le Seigneur te bénisse et regarde. En stature et en grâce. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse vivre sa face sur toi, qu'il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse vivre sa face sur toi, qu'il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse vivre sa face sur toi, qu'il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse vivre sa face sur toi, qu'il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Maintenant, tu m'as bien aimé. Vous qui êtes membres de la famille des croyants, par la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, levez-vous tous pour recevoir ces enfants au nom du Christ. Et efforcez-vous de maintenir ici une communion d'adoration et de service, tel que ces enfants puissent grandir dans la connaissance et dans l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et chantons ensemble, nul enfant n'est trop petit. Yeah.
À Jésus-Christ soit la gloire pour toujours. Amen.